Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à Robas, on souligne la Journée internationale des femmes ainsi que le début de la saison de Formule 1. Et puisque c'est aujourd'hui qu'elle débute en Australie, Jacques a décidé lui aussi de s'y mettre avec le jeu Grand Prix 2. Véronique, elle, de son côté, souligne la Journée internationale des femmes en rencontrant Louise Gay, présidente de Public Technologie Multimédia et la tête remplie d'idées. Plus pragmatiquement, eh bien, si vous cherchez à améliorer l'image sur votre moniteur, ne manquez pas l'évaluation que fait Martial de deux cartes vidéo. Et enfin, André nous dit où et comment chercher un emploi sur le net. Ce n'est pas nouveau, on le disait hier, on le répète aujourd'hui, le réseau est encombré et certains parlent même de congestion. Véronique, toi, tu t'es rendue au centre de contrôle de Bell Canada pour voir où en était la congestion d'Internet par rapport à l'encombrement sur les réseaux téléphoniques, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est complexe, mais c'est ça. Alors, pour vous situer, eh bien, le centre de contrôle, c'est l'endroit où sont vérifiés tous les circuits téléphoniques afin d'éviter ou de régler les problèmes d'encombrement. Alors, on parle d'encombrement parce que pour l'instant, on n'en est pas encore à la congestion. Par contre, avec le phénomène Internet qui fait de plus en plus d'adeptes, eh bien, il est à prévoir qu'un jour, il y aura congestion. Et de quelle façon le réseau peut créer la congestion, lui? Eh bien, ce qui se produit normalement, c'est que les internautes se branchent souvent en soirée, ce qui correspond aussi à l'heure de pointe pour les appels résidentiels. Par contre, une connexion sur Internet dure beaucoup plus longtemps. Alors, on écoute Normand Toupin de C'est Belle Canada. Un appel résidentiel aujourd'hui dure dans l'heure de pointe en moyenne 300 secondes. Mm-hmm. L'avènement Internet amène la durée des appels à 1h30 de durée. C'est considérable. Mais comme le poids du trafic Internet est encore relativement petit par rapport à la masse que représente l'ensemble des télécommunications sur le réseau, l'incidence actuellement sur le trafic total est plus ou moins considérable. Pour l'instant, la situation n'est pas critique, mais les compagnies téléphones doivent réagir. Alors, les solutions qu'on envisage, c'est l'ajout de circuits téléphoniques supplémentaires ou encore l'augmentation de la tarification. On écoute à nouveau Normand Toupin. Si le phénomène Internet prend une ampleur tellement plus grande, c'est ce qui semble vouloir se dessiner, bien nécessairement, des grandes questions vont se poser parce que nous devrons rajouter des nouvelles ressources dans le réseau, ce qui veut dire rajouter des nouveaux câbles, rajouter des nouvelles capacités dans les logiciels de traitement des appels. Il y aura sûrement un principe d'utilisateur-payeur qui sera considéré dans l'avenir au niveau de la tarification des services. Chez Québec Téléphone, il semble que ce soit la plateforme ATM qui sera mise de l'avant. Et puis la plateforme Normand, elle est comme son nom l'indique, c'est une plateforme vers laquelle seront dirigées et traitées toutes les informations autres que la voix humaine. Alors on parle ici de la transmission d'images, par exemple. Bien, on suit les développements. Merci, Véronique. On voit donc déjà que les effets réels de l'hyperdéveloppement des réseaux Internet restent à venir. Mais déjà aux États-Unis, on s'apprête à hausser les tarifs mensuels des fournisseurs Internet, ce qui créera probablement une augmentation des tarifs aux usagers. Maintenant, quelques nouvelles brèves. Eh bien, la compagnie Epson vient de lancer une imprimante à jet d'encre offrant une résolution encore jamais vue. La Stylus Color 800 produit des images de couleur avec une résolution verticale atteignant 1440 points au pouce. La qualité d'une image imprimée sur du papier glacé approche ainsi celle d'une photo traditionnelle. Pour un produit vendu 450 $ américains, c'est très intéressant. Sur une note moins heureuse maintenant, eh bien, Microsoft a eu des sueurs froides cette semaine quand trois étudiants de la région de Boston ont découvert une autre faille dans la sécurité du navigateur Explorer 3 pour Windows. Les trois jeunes ont démontré que par un simple lien, un site web malicieux pouvait détruire les dossiers et des fichiers sur le disque rigide d'un usager. Microsoft a réagi rapidement et la solution est déjà sur le web. Netscape et les autres curseurs ne sont pas affectés par le problème. Toujours sur Internet, vous avez jusqu'au 31 mars pour participer à la troisième enquête du risque qui dresse régulièrement le profil des internautes québécois et tente de connaître leurs opinions concernant le développement du réseau. Les résultats de l'enquête seront connus le 1er mai prochain. Enfin, en ce 8 mars, Journée internationale des femmes, Jean-Pierre Cloutier a écrit une chronique de Sibérie toute spéciale, une multitude de liens
vous y attendre. Après la pause, Jacques nous amène faire un petit tour en Formule 1 avec le jeu de simulation Grand Prix 2. Vous arrive-t-il de vous interroger sur la qualité de l'image de votre moniteur? Souhaiteriez-vous parfois pouvoir y faire de l'animation 3D? Trouvez-vous parfois que l'image est lente à s'afficher? Eh bien, Martial a testé pour nous deux cartes vidéo et nous dit ce qu'il en pense. La troisième dimension est maintenant à la portée des propriétaires d'ordinateurs qui aiment jouer avec des jeux sur leur appareil. Les compagnies ATI et Matrox se livrent d'ailleurs une guerre sans merci pour tenter de vendre leurs cartes graphiques. On a testé les cartes X-Claim VR et Millennium. Il faut absolument posséder un ordinateur Power Macintosh avec des fentes d'expansion PCI pour pouvoir installer les deux cartes graphiques. ATI et Matrox font des cartes identiques pour les ordinateurs PC. Lorsque nous avons installé la Millennium, on a constaté une amélioration sensible des applications QuickDraw 3D et des petits films en format QuickTime. Cependant, lorsque j'ai fait rouler le jeu NASCAR, eh bien, les images étaient un peu saccadées, mais les autres jeux que nous avons testés fonctionnaient relativement bien. La compagnie Matrox a pensé à tout. On peut avoir accès au tableau de bord de la carte assez facilement. Et changer la résolution de l'écran est un véritable jeu d'enfant. La Millennium vous permet également de travailler simultanément avec deux moniteurs. Bref, certains graphistes qui travaillent en 2D et en 3D vont adorer cette carte. La carte X-Claim VR convient mieux au grand public qui recherche un produit qui offre la possibilité d'accélérer le QuickDraw 3D, de faire rouler en plein écran les films QuickTime. Il permet aussi d'afficher sur un téléviseur les images de votre ordinateur. On peut également brancher un magnétoscope et digitaliser des images. Par contre, la résolution ne m'a guère impressionné. J'ai adoré la carte Millennium de Matrox parce qu'elle est simple à installer et facile à configurer. Mais par contre, elle est quand même assez chère. Elle coûte près de 600 $ pour une carte de 8 MB de RAM. De son côté, la carte X-Claim VR d'ATI représente un excellent rapport qualité-prix. Mais je me demande personnellement si ça vaut vraiment la peine d'acheter une carte avec autant de gadgets. Martial Jean-Baptiste pour Arrobas. Dans quelques semaines, Martial testera deux autres cartes vidéo plus abordables et spécialement conçues pour le PC, soit la Matrox Mystix et la 3D Expression de la compagnie ATI. Côté jeux pour ordinateur, eh bien, les nouveaux processeurs Pentium MMX sont la référence. Et vous nous avez demandé comment les installer dans vos ordinateurs. Eh bien, sachez qu'Intel vient d'annoncer des processeurs Overdrive MMX à des prix variant entre 400 et 500 $ américains. Votre Pentium 75, 90 ou même 100 MHz roulera alors une fois et demie plus rapidement, en plus de pouvoir profiter des applications spécialement écrites pour le MMX. Deux d'entre elles sont d'ailleurs incluses avec l'achat du processeur. Si c'est plutôt sur l'écran de télé que votre famille joue, eh bien, vous serez heureux d'apprendre que Sony vient d'annoncer aux États-Unis une baisse de 25% sur le prix de sa console PlayStation. On espère ainsi voler de précieuses parts de marché au Nintendo 64. Et en plus du prix, bien, Sony compte aussi sur les 680 jeux disponibles sur le marché, alors que le nouveau Nintendo, lui, n'en compte qu'une petite dizaine. Enfin, c'est le début de la saison de Formule 1 ce soir en Australie, et la présence de Jacques Villeneuve sur les circuits crée chez nous un enthousiasme sans précédent pour ce sport. Un site québécois vous propose même un concours dont le premier prix est une fin de semaine toutes dépenses payées au Grand Prix du Brésil. Pour gagner, il faut simplement prédire avec précision les résultats de chacune des courses. Bonne chance! Et si par malheur, vous ne gagnez pas de voyage, eh bien, rien ne vous empêche de vivre votre propre Grand Prix à la maison. Jacques s'est amusé à piloter une Formule 1 virtuelle dans son salon avec le jeu Grand Prix 2 et nous parle de son expérience. Ce soir en Australie, commence la saison de Formule 1. C'est pourquoi j'essaie pour vous aujourd'hui le jeu sur CD-ROM Grand Prix 2. En version DOS et Windows 95, le jeu est aussi disponible en français. Bon. La mise à jour des modèles 96 est sur Internet. Je vous suggère de magasiner car le coût varie de 40 à 80 $. Le joystick est très bien, mais les vrais amateurs de course de char, ce que je ne suis pas, voudront acquérir le volant pour profiter vraiment de l'effet de simulation. Ça vous coûtera autour de 150 $. Autant les débutants que les professionnels y trouvent leur compte, car il y a 5 niveaux de difficulté. Il vous faut tout d'abord apprendre par cœur chacun des circuits, puis améliorer les ajustements. Pour réussir un meilleur temps, vous devez apporter les mêmes ajustements qu'un pilote professionnel, puis essayer encore et encore.
En fait, ce qui vous différencie des coureurs automobiles, c'est qu'ils ont l'avantage de travailler avec des ingénieurs alors que vous êtes laissé à vous-même. Vous devez aussi choisir une stratégie de course. Un, deux ou trois arrêts au puits selon votre type de conduite à la place. Et peut-être alors pourrez-vous sentir la fierté de vous qualifier. Sentir des frissons en les passant Schumacher, en Ferrari ou en l'empêchant de vous dépasser. Car c'est bien contre ces coureurs que vous jouez tels qu'ils sont programmés en fonction de leurs statistiques de 1996. Sinon, vous pouvez jouer en réseau à plusieurs joueurs ou contre l'ordinateur et planifier une saison au complet à travers les 16 circuits. Heureusement, pour aller faire pipi, on peut peser sur pause. Mais le fin du fin, c'est de choisir le niveau de réalisme. À trop pousser un moteur, on le brûle, on casse une transmission, on perd un pneu. Tout ce qui manque dans ce jeu de simulation, c'est la poussée gravitationnelle exercée sur le coureur. Heureusement, sinon on risque de se prendre tellement au sérieux qu'on peut finir par ressembler à notre idole. Ici Jacques Drelet pour Arrobas. Voyons. Et comme le jeu n'est même pas commandité par les compagnies de tabac, eh bien, vous pourrez jouer en toute quiétude, sans craindre l'intervention du gouvernement. Et même, si vous avez envie, vous pourrez en griller une petite. Après la pause, André vous dit qu'il est possible de trouver un emploi sur Internet, si on sait où et comment chercher. Vous naviguez sur Internet et on vous offre de voir la dernière minute d'une partie de hockey en levante. Ça vous intéresse, mais le module d'extension QuickTime, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Eh bien, au Conseil Globetrotter cette semaine, Maude vous explique comment installer et utiliser ce qu'on appelle communément les plugins. Il est maintenant fréquent, lorsqu'on navigue sur Internet, de se retrouver sur des sites qui requièrent l'utilisation des plugins. Ces derniers, que l'on appelle en français des modules d'extension, sont des logiciels qui augmentent les capacités de mon navigateur en me permettant d'écouter des extraits sonores, de visionner des vidéos ou tout simplement d'exécuter certaines applications à partir de celui-ci. Pour vous donner un exemple de tout ça, la page web sur laquelle je me trouve en ce moment m'offre une grande variété d'extraits sonores. En cliquant sur le son désiré, mon navigateur m'indique qu'il ne possède pas le plugin nécessaire pour traiter le fichier de type .wav et me demande si je veux le télécharger immédiatement, ce que je vais faire. Le fait de télécharger le module d'extension ne réglera pas tous mes problèmes. J'œuvrai dans la majorité des cas l'installer, opération qui s'effectue en double-cliquant sur l'application. Pour terminer, il y a trois choses importantes à savoir concernant les plugins. Premièrement, de façon générale, on associe un plugin à l'extension d'un fichier. Par exemple, un fichier qui a comme extension .mov, qui est un court extrait vidéo, peut être visionné à l'aide du plugin Apple QuickTime. Deuxièmement, l'installation et le téléchargement ne se font qu'une seule fois. À partir du moment où je vais tomber sur un fichier dont l'extension se rattache à un plugin que j'ai déjà installé, eh bien, l'application va se lancer de façon automatique. Troisièmement, si les plugins vous donnent des mots de tête, eh bien, sachez qu'ils sont inclus de façon standard dans les nouvelles versions d'Internet Explorer et de Netscape. Ici Maude Franqueur pour Arrobas. Avec un taux de chômage qui, au mieux, se maintient et des entreprises qui sont à la recherche de candidats toujours plus polyvalents, tous les moyens sont bons pour offrir ces services à d'éventuels employeurs. Alors, pourquoi ne pas utiliser Internet pour établir un lien entre vous et eux? Chercher un emploi aujourd'hui, c'est une tâche colossale. Il faut parcourir des dizaines et des dizaines de sources d'informations différentes pour peut-être identifier l'emploi qui nous intéresse. L'Internet vient s'ajouter à cette panoplie d'outils à la disposition du chercheur d'emploi. Des dizaines de centres d'emploi électroniques se disputent les faveurs des employeurs et des chercheurs d'emploi. Le plus important, c'est Career Mosaic, avec 140 000 visiteurs et plusieurs milliers d'offres d'emploi, des emplois à faire à l'extérieur du Québec principalement. Le service est somme toute rudimentaire puisqu'il se résume à un gros babillard électronique. Principal avantage, par contre, il donne un accès unifié à toutes les offres d'emploi publiées dans les groupes de discussion, dont QC.jobs et Can.jobs. D'autres, comme la section Carrière et profession de la presse, poussent l'idée un peu plus loin. Elle permet de créer un curriculum vitae sur mesure et de le faire parvenir directement à l'employeur par courrier électronique. Il y a une contrainte importante, parce que dans le fond, ça permet pas aux candidats de personnaliser leur approche puis d'avoir un CV comme en papier avec une mise en page puis une aération.
on rentre dans un formulaire, puis dans le fond, c'est la base de données qui va créer un CV qui est à peu près homogène pour tout le monde. L'ABC de l'entrevue nous dit qu'il faut se renseigner sur le poste, il faut se renseigner sur l'entreprise. Mais je trouve que de plus en plus d'entreprises ont leur site web, annoncent leurs produits, annoncent leur mission, leurs intentions. Alors, pour le candidat qui est invité à une entrevue, je pense qu'il y a vraiment une belle façon là, de se renseigner sur les nouveaux produits, sur les orientations stratégiques même des entreprises. Pierre Tison est l'auteur d'un très bon répertoire de ressources consacrées à l'emploi sur Internet. Mais quand il s'agit de faire des affaires avec les employeurs, c'est pas d'Internet dont il se sert, mais de télécopieurs. Tous les employeurs ont un fax dans leur bureau. Tous les employeurs n'ont pas un accès à Internet. Puis je pense ici, entre autres, au directeur des ressources humaines qui engage et qui dirige 600-800 personnes, mais il ne se mettra pas, directeur des ressources humaines, à utiliser une souris pour faire des recherches quand il y a besoin, par exemple, d'engager des profs pour des cours. Aujourd'hui, on se branche sur des sites web pour trouver les emplois. Demain, des logiciels viendront nous livrer les emplois à domicile. On l'a vu, l'Internet est un bon outil pour mettre en contact employeurs et futurs employés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les bons emplois sont aussi rares sur Internet que dans la vraie vie. André Bélanger pour Arrobas. Sur certains sites aux États-Unis, on peut même passer une entrevue par Internet sans se déplacer. Alors, on peut se demander quel est l'impact de la première impression virtuelle. Revenez-nous après la pause. Annie fait une incursion du côté du monde de la mode qui s'informatise à son tour. Votre voie d'accès la plus facile au nouveau monde de l'Internet se nomme Globetrotter. Parce que nous offrons un service plus complet. Parce qu'avec nous, vous aurez toujours l'assurance de naviguer en toute confiance et sans fil d'attente. Parce que nous couvrons le plus grand territoire au Québec. Parce que nos gens ne vous laisseront jamais tomber. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Globetrotter Internet. On peut toujours aller plus loin. Communication multimédia vous suggère un grand choix d'ordinateurs et d'accessoires neufs ou reconditionnés à des prix défiant toute compétition. Vous exigez plus de performance de votre ordinateur et désirez être à l'affût des nouvelles tendances en informatique? Consultez les experts de communication multimédia Boulevard Jean 23, Trois-Rivières-Ouest. L'heure du lunch est arrivée. Dîner en compagnie de Fred et ses amis. Les pierres à feu tous les jours à midi. Partout dans la région, les gens d'affaires font confiance à Boutique à tout info de Louisville, les maîtres en informatique. Pour la maison, le bureau ou votre entreprise, une gamme complète de systèmes informatiques flexibles et performants. Boutique à tout info, c'est aussi une équipe d'ingénieurs spécialistes en installation de réseaux informatiques tels Windows NT, Novell et Unix. De plus, Boutique à tout info possède son propre serveur Internet et un service de création de pages web. Qu'on aime ou pas, le monde de la mode avec ses flamboyants défilés réussit toujours à attirer notre regard. On pourrait croire que cet univers exotique évolue en marge de la révolution informatique, et pourtant, Annie, lors de sa visite du campus Notre-Dame-de-Foy, a constaté que ce n'était pas le cas. La technologie rejoint même les petites et moyennes entreprises œuvrant dans le domaine de la mode, puisque les finissants du collège peuvent faire profiter ces entreprises de leur expérience. L'ordinateur au sein de l'industrie de la mode est une bienheureuse chose parce que ça permet de sauver énormément de temps. Et deuxième chose, c'est que ça nous permet d'avoir une qualité de produit qui est extraordinaire. Ici au campus, bon, on travaille avec la compagnie Lectra. Et puis donc, dans Lectra, on a trois logiciels. Open Partner qui permet la gestion des fichiers. Maintenant, si on veut travailler sur le patron, alors ça va se faire à partir de Modaris. Alors, dans Modaris, j'ai la possibilité de créer mes vêtements. D'abord, au départ, c'est pas magique, hein? Alors, il faut d'abord digitaliser ou numériser nos pièces sur une table à digitaliser en rentrant les codes qui permettent de délimiter les périphéries de la pièce. On enregistre cette pièce-là, elle est dans l'ordinateur. Le modèle que l'on voit présentement, c'est un jeans. On peut voir par cette image ici que la pièce est gradée. Donc, lorsque je voudrais sortir en réalité sur la table à tracer, je pourrais demander la taille 2, 4, 6, 8, 10, 12 ou celle que je veux seulement. Si on va voir maintenant le logiciel de placement, alors on est dans 10 amino. L'ordinateur lui calcule chacun des espaces où il n'y a pas de tissu comme étant une perte, pour avoir le maximum d'efficacité possible. Et je trouve que ça a un impact aussi au niveau écologique, là, parce que si on prend, par exemple, ça, toutes ces pièces de carton-là,
Ils ont été taillés deux fois pour arriver à adapter un veston à un client, alors que sur ordinateur, j'aurais tout simplement à aller faire des corrections au niveau de l'écran. C'est une économie de temps. Et comme on sait, dans les entreprises, le temps, c'est de l'argent. Fait que ça permet d'aller plus vite, avoir une grande précision. Et puis, on a aussi tout le problème de gestion de gabarit. Hein, ça prend de la place. Maintenant, tout le reste va être emmagasiné sur le disque dur de l'appareil. Pour la création, l'ordinateur, je pense pas que ça apporte vraiment quelque chose. La création, ça reste encore là, dans la tête de l'étudiant ou du designer. Là. Ça nous amène aussi à performer beaucoup plus facilement. Puis je pense que pour l'avenir, ça va être un gros plus. On dit qu'il y a même un designer français qui aurait déjà créé un cybervêtement intégrant plusieurs formes de communication à distance. Reste à voir si le look futuriste du vêtement créé sera populaire auprès des amateurs de mode. Toujours dans un esprit de modernité, Véronique a rencontré cette semaine une femme pour qui les idées novatrices font partie du quotidien. Rencontrons donc avec elle Louise Gay, présidente de Public Technologies Multimédia et détentrice d'un doctorat en la matière. Public Technologies Multimédia est une entreprise où vraiment le cœur de l'entreprise, de notre équipe, c'est la communication et la création. Et nous, nous mettons cette communication et cette création au service, bien sûr, de nos clients dans le domaine corporatif et dans le grand public. Et nous utilisons les nouvelles technologies pour cela. C'est pas difficile, c'est merveilleux. Parce que le multimédia, c'est le monde où on réunit les sens, où on réunit plein de choses. Et les femmes sont des grandes associatrices. Elles mettent ensemble très bien les choses. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une metteur ensemble. Ce qui est le plus difficile, c'est les mentalités des gens, en fait. Parce que la technologie, c'est vrai, elle est évolutive, elle est très puissante. Mais ce qu'on veut en faire, et aussi, c'est les peurs des gens. Ça, c'est normal, c'est toujours comme ça. Et ce qui fait que parfois, il y a des choses toutes simples qu'on pourrait faire, mais les gens reviennent à des anciens modèles. Je suis très fière de ce titre parce qu'il y a dans la dimension de l'entrepreneur tout un côté, je dirais, de vision, un côté aussi d'aventure. Quand on devient une chef d'entreprise, parce que je suis aussi une chef d'entreprise, c'est beaucoup plus le calcul du risque. Mais chez l'entrepreneur, il y a tout... cette notion de bâtir, cette notion de voir loin et de commencer les choses. Je dirais que pour moi, la Journée internationale de la femme, c'est beaucoup plus maintenant un signe qu'un monument ou une emblème. C'est beaucoup plus une stimulation pour une mémoire créatrice, une mémoire cicatrice, donc plus projetée vers l'avant que tournée vers un souvenir précis. La semaine prochaine, Christine Hernandez nous fera découvrir la nouvelle génération des téléphones cellulaires. Nous verrons aussi comment se porte le français sur Internet avec André. Et Alain Labadie nous propose les CD-ROM Scientifix et Protégez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire à notre adresse électronique habituelle et que notre site Web vous attend. Il contient les adresses Internet qui ont été affichées pendant l'émission et un résumé des reportages. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Dans un instant, Vision mondiale au Mali. Suivra à 17h le magazine Habit d'Action. Position du député Yvon Charbonneau qui suggère de négocier la sécurité d'emploi avec les syndicats. En Albanie, les insurgés contrôlent maintenant la quasi-totalité du Sud. Le président Berisha a accepté le principe d'élection anticipée, mais le délai de 45 jours est jugé trop court par l'opposition. Le téléjournal dans une heure. Je vous dis à tout à l'heure. Quand il s'agit d'être branché, Bell est toujours au rendez-vous. Cette semaine, les téléphones nouveau genre.
Magasiner gratuitement sur Internet. Et le cyberespace, une source d'inspiration pour les couturiers. Bonjour et bienvenue à cette émission de Branché. Nous sommes au Café électronique dans le Vieux-Montréal. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, on voit beaucoup de publicité concernant les téléphones nouveau genre. Mais connaissez-vous la différence entre un Fido, un Mike, un Liberty ou encore un Vista 350? Stéphane, tu es en train de regarder le Vista 350. Alors, qu'est-ce qu'il nous a? Bien, d'abord, le Vista 350 de Bell, la différence avec les autres, c'est ça. Lui, il n'est pas encore branché dans votre mur, dans votre prise de téléphone. Mais ce qui est particulier du Vista 350, c'est son écran. Donc, son écran lui vous donne accès à des services. Des services comme, d'une part, des services interactifs, les numéros gagnants de la loterie, des conseils sur la santé ou la sécurité routière, la météo, et ainsi de suite. Et également à des services financiers. Il y a 4 institutions financières qui ont décidé d'offrir des services financiers à travers le Vista 350. Et combien coûte-t-il? Bien, on peut le louer pour un peu moins de 10 $ par mois ou encore l'acheter pour un peu moins de 300 $ Mais les services eux-mêmes, les services interactifs sont gratuits pour l'instant, sauf les services financiers qui, eux, sont facturés comme au guichet. Et comme tu disais, il est branché au mur, mais il existe aussi une autre catégorie de téléphones qui sont les téléphones sans fil. Oui, Sophie, le sans fil, en fait, hein, c'est rien de nouveau. Ça fait une douzaine d'années que ça existe. Il y a même 2 800 000 Canadiens qui possèdent un téléphone cellulaire. Mais la plupart de ces gens-là, ce sont des gens d'affaires. Et ce qui est nouveau, donc, dans ce domaine-là, c'est qu'on essaye de vendre le sans-fil au grand public à travers des programmes comme Amigo, Liberty ou encore Fido. Alors, mais la plupart des gens sont mêlés avec tout ça. On a essayé un peu de démêler le sans-fil. Fido! Nous le bon monde sur le réseau Mike. Salut, moi c'est Mike. Je suis vision. Je suis passion. Depuis quelques mois, on est inondé de messages publicitaires nous vantant les mérites de nouveaux services téléphoniques, tous aussi révolutionnaires les uns que les autres. On est venu demander aux gens s'ils savaient faire la différence entre un Liberty, un Mike et un Fido. Je connais pas vraiment le produit. Ça semble être le même produit qui différencie un peu, là, mais pas assez pour faire vraiment une différence. J'ai pas essayé, donc je peux pas faire la différence. Je peux pas te dire vraiment la différence entre les trois. Les différences, je les connais pas réellement. Fido, pour moi, c'est une compagnie. Je veux dire, c'est toutes des compagnies. Pour moi, ils veulent strictement rien dire en tant que tel. Pourtant, il y a des différences entre les services auxquels ces appareils donnent accès. Tout d'abord, le Liberty de Bell Mobilité, comme l'Amigo de Cantel, sont des programmes de téléphonie cellulaire. Grâce à un réseau d'antennes, ils utilisent les ondes radio pour faire des appels téléphoniques à l'intérieur d'une zone donnée. Mais le cellulaire peut coûter cher. Même avec des programmes grand public comme Amigo ou Liberty, il faut non seulement payer un abonnement mensuel, mais on est généralement facturé pour chaque appel, entre 25 et 95 cents la minute. Ces services ne sont donc pas donnés à tout le monde. Vous pouvez faire et recevoir tous vos appels locaux et interurbains. Mais un prix nouveau a fait son apparition sur le marché l'automne dernier en offrant 400 minutes pour 40 $ par mois, ce qui a fait tourner les têtes de bien des abonnés du cellulaire. Ce petit dernier, c'est Fido. Mais attention, Fido, c'est un peu plus qu'un téléphone cellulaire. C'est ce qu'on appelle un service de communication personnelle ou SCP. La différence? Eh bien, tout d'abord, avec le cellulaire, votre numéro de téléphone est imbriqué dans votre appareil. Avec les SCP, votre identité réside plutôt sur une puce qui, dans le cas du Fido, se glisse à l'arrière de l'appareil. Elle peut enregistrer jusqu'à 8 kilooctets d'informations et elle permet à plusieurs personnes de partager le même appareil sans partager la même facture. Comme le cellulaire, les SCP utilisent des ondes radio pour transmettre votre voix. Votre voix est transmise de façon analogique, c'est-à-dire qu'une personne équipée d'un récepteur à balayage, comme ceux qui sont utilisés dans les salles de nouvelles, peut écouter votre conversation. Mais avec les SCP, votre voix est numérisée. Donc, si quelqu'un interceptait ce que vous transmettez, il entendrait plutôt ceci. Mais le problème dans le signal est numérisé, c'est que parfois, il est aussi compressé.
qui produit un effet de chuintement autour de la voix qui peut être très désagréable. L'autre caractéristique des SCP, c'est qu'ils offrent beaucoup plus de services que les téléphones cellulaires. Comme ces petits appareils sont au fond des appareils radio, ils ont besoin pour fonctionner qu'on leur alloue une fréquence. Les cellulaires utilisent des fréquences d'environ 900 MHz. Mais les SCP utilisent une fréquence à peu près deux fois plus élevée, qui varie entre 1800 et 2400 MHz. C'est comme la radio AM par rapport à la radio FM. Le FM utilise une fréquence plus élevée, offrant une meilleure qualité sonore. Avec leur fréquence plus élevée, les SCP permettent d'offrir plus de services que le cellulaire. Fido, prends un message. Fido, fax! Fax, Fido! Dans sa publicité, Fido laisse croire qu'il peut t'envoyer des fax. Ce n'est pas tout à fait exact. Il ne vous permet que de recevoir des fax. Pour les faire imprimer, il vous faut entrer le numéro d'un télécopieur situé tout près. Les SCP peuvent aussi jouer le rôle d'un téléavertisseur, qu'on appelle aussi des pagettes. Vous pouvez recevoir et envoyer des messages numériques ou alphanumériques. Le problème avec Fido, c'est qu'il faut d'abord acheter son appareil, entre 250 et 450 $ selon le modèle. Ensuite, il faut payer un permis pour utiliser les ondes SCP, 48 $ par année. Et puis, pour les services de messagerie ou de fax, vous devrez débourser de 2 à 7 $ de plus par mois. Mais ce n'est pas tout. Pour l'instant, Fido n'est offert que dans la région de Montréal. On nous promet cependant une couverture de tout le corridor Québec-Windsor d'ici la fin de 1998. Enfin, il y a Mike. Mike est un SCP comme Fido, mais il offre des services différents. Il peut entre autres se transformer en radio-téléphone, c'est-à-dire en walkie-talkie, pour permettre à plusieurs personnes de se parler en même temps. C'est ce qui fait que Mike s'adresse plutôt à des gens d'affaires. Mais il devrait être proposé en version grand public un peu plus tard cette année. Bref, ces nouveaux services en valent-ils la peine? Au fond, c'est à vous de déterminer si vous tenez vraiment à être rejoint partout et en tout temps. Vous savez, Brancher est une véritable rampe de lancement pour accéder à tous les sites d'Internet dont nous vous parlons durant l'émission. Alors, venez cliquer sur le site de Brancher! Après la pause, magasinez gratuitement sur Internet. Dans les magasins, un CD audio se vend environ 15 ou 20 $. Un CD-ROM, quant à lui, se vend environ 80 $. Comme c'est le même support, comment se fait-il que nos CD-ROM soient si chers? En fait, c'est toute une question de marché. Bon, après la production, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la recherche et le développement. Donc, c'est toute l'équipe de programmeurs, d'informaticiens qui créent tous les logiciels. Un CD-ROM, ça coûte cher au consommateur, mais ça coûte aussi cher à l'éditeur. En fait, on peut comparer la production d'un CD-ROM à une production cinématographique. Pour l'étape de conception, environ 40 % du coût du CD-ROM, ça prend beaucoup de monde. Producteurs, concepteurs, scénaristes, infographistes et programmeurs. Nous sommes présentement chez Cédrom SNI, une des plus grandes entreprises au Canada à faire de la banque de données sur support CD-ROM dans le secteur professionnel. Par exemple, ils font le Globe and Mail, la presse, le Devoir et même Le Monde sur CD-ROM. Et récemment, ils se sont lancés dans les produits un peu plus grand public. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a commencé à faire des produits multimédia grand public, mais un peu comme une expérience au début et là de plus en plus comme quelque chose de rentable en soi. Mais c'est clair que ce n'est pas la majeure partie de nos revenus pour l'instant. La majeure partie des entreprises québécoises qui travaillent dans ce secteur-là ne vivent pas des produits multimédia grand public en soi. Elles font ça entre autres choses, notamment des produits multimédia qu'elles font à la commande ou des logiciels de formation, des choses comme ça. La plupart des entreprises du secteur ont un autre créneau qui les fait vivre. Dans le fond. Étape suivante, il faut presser les disques. Mais au fait, saviez-vous qu'un disque compact vierge coûte moins d'un dollar? Alors ce n'est pas ici qu'on fait monter la note. C'est plutôt l'étape de distribution qui peut représenter jusqu'à 50 % du coût total. Oui, la production d'un CD-ROM coûte cher, mais ce n'est pas tout. Il faut tenir compte de la taille du marché et au Québec, il est petit.
Et encore plus petit lorsqu'on considère que seulement 25 % des maisons québécoises sont munies d'un ordinateur qui, lui, n'est pas nécessairement multimédia. Pour survivre, les éditeurs comme Micro-Intel n'ont pas le choix. Tout comme d'autres milieux, par exemple l'édition du livre ou le cinéma, ils sont condamnés à exporter. Quand on sait qu'au Québec seulement, un disque platine, ça représente 50 000 copies, pour un CD-ROM, avoir un succès au Québec, ça représente 5 000 copies, donc 10 fois moins. Et le même artiste qui obtient son disque platine au Québec va vendre des millions de copies potentiellement en Europe. Et nous, si on va même sur le marché européen, on peut peut-être espérer quadrupler les ventes que l'on fait au Québec, donc en bout de ligne obtenir 20 000 copies. Et ça représente aussi un succès sur le marché européen. Pourtant, la réalité du CD-ROM en France n'est pas nécessairement plus rose. Par exemple, l'IRIS, l'important éditeur français de dictionnaires et d'encyclopédies numériques, doit se battre lui aussi. On est dans un phénomène où les produits sont de plus en plus chers à faire, parce qu'ils doivent être de mieux en mieux, de très bonne qualité. Le consommateur est prêt à payer, vous l'avez dit, de moins en moins. Donc il y a une équation économique qui est de plus en plus difficile. Donc la seule solution pour nous, je crois, c'est l'éco-production internationale, c'est-à-dire de faire des produits de bonne qualité. Il ne faut surtout pas descendre en qualité. Donc peut-être que c'est un peu cher pour les gens, mais la logique économique fait que ça va être très très compliqué de produire des encyclopédies francophones à des prix très bas. Seuls, normalement, bientôt, les Américains pourront le faire. Alors, quelle est la solution? Moi, je suis prêt demain matin à diviser le prix de mes produits par deux ou par trois. Mais est-ce que, pour autant, je vendrai deux ou trois fois, voire cinq fois ou dix fois, plus de produits? La réponse est non, parce que nous sommes dans un marché qui se construit, qui se développe très fortement, avec des taux de croissance à deux chiffres. Mais on est parti, il y a trois ans, d'un niveau zéro. C'est pour toutes ces raisons qu'un CD-ROM coûte cher et c'est pourquoi on devra payer ces montants pour un certain temps. Si les CD-ROM coûtent cher, il existe en revanche sur Internet des produits qui ne coûtent rien. Mais oui, il y a plein de fournisseurs qui ne demandent pas mieux que de nous refiler des échantillons de leurs marchandises tout à fait gratuitement. Alors, ça va d'une tasse à café de AT&T, des travaux de session, de la crème solaire, des tapis de souris, des bâtons de colle, de la soie dentaire et j'en passe. Donc, Stéphane et moi vont passer une journée à trouver des trucs gratuits sur Internet. Quoi de mieux que de magasiner quand ça ne nous coûte rien? On a décidé de s'offrir une petite journée de shopping bien assis devant nos ordinateurs et sans un sou en poche. Pour trouver des trucs gratuits sur Internet, un premier conseil, consultez un bon répertoire. Sur le web, il existe quantité de fanatiques de ce qu'on appelle en anglais des freebies qui écument quotidiennement Internet à la recherche de l'ultime aubaine. Nous vous recommandons d'abord le site The Volition to Get Free Stuff. C'est à notre avis le meilleur carrefour, le plus complet et le plus à jour. Il donne accès à plusieurs autres répertoires, dont un s'adresse tout particulièrement aux consommateurs canadiens. Car faites bien attention, plusieurs offres alléchantes ne sont accessibles qu'aux habitants des États-Unis. Pensons tout d'abord à équiper notre ordinateur en partagiciel et en accessoires. La mine de logiciels sur Internet, c'est le site shareware.com. C'est le supermarché du partagiciel pour Macintosh et PC dans toutes les catégories, des jeux aux logiciels d'affaires, en passant par les applications Internet. Vous pouvez télécharger tout cela dans votre ordinateur sur le champ, mais gare au virus. Et évidemment, sur le net, on trouve toutes sortes de choses gratuites à boire et à manger. Par exemple, du thé ginseng, des épices cajun, des bonbons et même du café d'Hawaï. On trouve aussi des offres assez inquiétantes. Ainsi, il est possible de commander des échantillons de comprimés de caféine, communément appelés « wake up », sans aucune difficulté. Mais la meilleure aubaine que nous ayons trouvée sur Internet n'est pas tout à fait gratuite. Elle se trouve sur le site Magazine Mecca, où l'on trouve des abonnements d'un an à certains grands magazines américains pour un sou. Nous avons pris 5 abonnements pour un total de 3 $ et 5 sous américains en comptant les frais postaux. Les mêmes revues en kiosque reviendraient à environ 200 $ canadiens.
Comment expliquer cette avalanche de promotions sur Internet? En commandant tous ces articles, vous devez donner votre adresse électronique, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. C'est que ça ne s'arrêtera pas là. En ouvrant votre porte au distributeur d'échantillons, vous l'ouvrez du même coup à tous ceux et celles qui paieront ce gentil distributeur pour avoir vos coordonnées. Attendez-vous donc à être sollicité de toutes parts, par courrier électronique, par la poste et qui sait peut-être même par téléphone, par toute une ribambelle de commerçants qui voudront, eux, vous vendre leur salade. Pas vous les donner. Maintenant, reste à savoir si nous allons recevoir toutes les marchandises que nous avons commandées. D'après les habitués, les délais de livraison vont de 2 jours à 6 mois, avec une moyenne d'environ 3 à 4 mois. Mais même si nous ne recevons rien, au prix que ça nous aura coûté, ça ne sera pas vraiment dramatique. Après la pause, la mode dans le cyberespace. De mode. C'est la preuve que le multimédia est de plus en plus utilisé comme outil de promotion. Notre chroniqueur en France, Marc Bertillon, m'a profité de la sortie des collections 97-98 pour rencontrer un designer branché. Paris, capitale de la mode. Il y a quelques semaines, les grands couturiers présentaient leur collection haute couture. Le rendez-vous des Christian Dior, des Jean-Paul Gaultier. Et puis, loin des hôtels cossus, dans un vaste entrepôt de la banlieue parisienne, se préparait un défilé de couturiers différents des autres. Le protégé du fabricant de vêtements allemand, Mustang. Monsieur Walter, un nom pas facile. Un défilé particulier aussi, humour et modernité. Des vêtements griffés WLT, Wild and Little Trash, en français, des rebuts sauvages et mortels. Une des sources d'inspiration de Walter Van Beren donc, le cyberespace. Le multimédia, ces mannequins le portent sur leur tête. Ça m'inspire, je suis vraiment intéressé dans tout cet univers, et surtout parce que c'est, je trouve que c'est vraiment une chose qui est tellement importante pour le futur. Walter s'est donné un site Internet. Vous y trouverez ses collections. Vous pouvez lui poser des questions, donner vos opinions, découvrir son monde. Dans l'arrière-scène du défilé, un photographe est à l'œuvre. This is a digital camera, and we're taking photographs of the backstage area, and we send the photos tonight to our office, and then the pictures will be already on Internet on Monday. Entrer dans les coulisses de la mode à Paris, ce n'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, avec le multimédia, c'est possible. Oui, le multimédia, parce qu'en plus du site Internet, Walter a édité 2 CD-ROM et un 3e est en préparation. Des CD-ROM plutôt bien faits. On y a accès aux créations du couturier, mais c'est bien davantage. Plus qu'une source d'inspiration, ici, le multimédia devient un lieu de création. Ça fait partie du message. Un message social, d'abord. Walter nous fait connaître son point de vue sur le monde, le passé et le futur. Pour Walter, le CD-ROM est une tribune. That's why I'm not only using this empty slogan. Et puis, c'est aussi un outil de marketing. L'étiquette allemande Mustang, qui est derrière Walter, le sait bien. La collection WLT est très internationale et il n'existe pas encore un média qui permet vraiment d'être international tout de suite et en même temps permettre un dialogue entre les consommateurs et nous comme fournisseurs ou Walter comme créateur. Pour les gérants des boutiques WLT, l'intégration du multimédia à la vente de vêtements n'est pas toujours simple à gérer. Le problème du CD-ROM, c'est qu'on a eu les gens qui étaient restés, qui bloquaient sur l'ordinateur pendant une heure et demie. Donc on a un peu arrêté toute la partie. L'avantage intéressé au CD-ROM qu'aux vêtements. Oui, tout à fait, oui. C'est beaucoup de travail. Ça, je peux vous dire que c'est pas facile de venir chaque 6 mois avec une collection comme ça et d'être aussi très actif sur le homepage et actif avec le CD-ROM. Mais ça m'intéresse tellement, je suis tellement fasciné par tout ça que je travaille, je vis vraiment pour ça aussi.
When you are a star, Walt is in your heart. En tout cas, pour l'instant, ça s'avère plutôt rentable auprès du public cible. Walter est décrit par la presse spécialisée comme un pionnier et ses vêtements se vendent de mieux en mieux à travers le monde. Pour nous joindre, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez nous écrire par courrier ordinaire, vous pouvez nous envoyer un fax ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courrier électronique. Cette semaine, Sophie se transforme en maman virtuelle et nous présente le Flash Techno. On peut devenir un papa virtuel aussi. Alors oui, c'est les créatures de la compagnie Warner Interactive. C'est un logiciel dit de loisirs. Alors les créatures en question, ce sont de petits animaux virtuels. Au départ, vous avez 6 œufs, vous devez les faire éclore. Et ensuite, vos créatures naissent. Vous les nourrissez, elles grandissent, elles apprennent, elles jouent et elles ont des sentiments. Votre rôle est de vous assurer que vos créatures mènent une vie saine et, je ne vous le cache pas, ça révèle un certain côté maternel en nous. Elles ont une vie qui a une durée d'environ 40 heures. Et attention, au bout de la 6e heure, ce qui équivaut normalement à l'adolescence dans une vie humaine, vous les verrez s'intéresser au sexe opposé. Et puis ensuite, eh bien, vos femelles tomberont enceintes. Bref, si vous vous occupez bien de votre petit monde, vous pourrez suivre plusieurs générations. Il n'y a aucun scénario fixe. La vie se déroulera sur votre écran d'ordinateur et elle prendra différentes versions selon les soins que vous administrez. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler un logiciel sympathique. Bien, tout aussi sympathique, c'est notre site Web dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. On y trouve, comme à toutes les semaines, des compléments d'informations à nos chroniques et reportages. Et vous y trouverez, entre autres, toutes les adresses que Stéphane a essayées pour se faire envoyer des marchandises via Internet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous revoit la semaine prochaine. Au revoir. Mais juste le fait d'aller visiter, de se déplacer pour une visite.